tout donné pour l'avoir. Pendant des mois, j'ai bossé, mais comme une malade. Et il n'y a que ça, là, je me dis, et enfin. T'as tout donné, tu vois. Mais vraiment. À ta santé, à la réussite de Chloé. Santé! Une fois, j'étais sur Insta, j'ai vu un truc qui m'a choqué. Est-ce que vous saviez que dans la finance, les femmes sont payées 22,8% moins que les hommes? Non. C'est ouf. Comment c'est encore le cas aujourd'hui, ça? Bah, il y a des inégalités partout, malheureusement. Dans la culture, la politique, même le style vestimentaire. C'est impossible de s'habiller comme on veut aujourd'hui. Ah non, mais c'est insupportable. J'ai l'impression que je peux plus rien faire sans me taper une réflexion dans la rue. Par exemple, l'autre jour, je sortais de chez moi. Vers 20h, j'allais à un date, j'avais mis une petite robe, je me sentais hyper canon et tout. Et à un moment, il y a une voiture qui ralentit à mon niveau, avec un groupe de mecs dedans. Et ils commencent à m'interpeller. Et au bout de plein d'insultes, moi, évidemment, je fais conscience. Et ils commencent à me demander mon prix et tout. Et moi, j'étais hyper stressée. Enfin, normal, à cette heure-ci, toute seule, je panique. Et heureusement que j'étais pas loin du restaurant. C'est juste pas possible de se prendre des réflexions comme ça toute la journée. C'est pas supportable. Oh, rien que le maquillage. Je suis maquillée, on me traite de traînée. Je suis pas maquillée, on me demande toute la journée si ça va parce que j'ai le teint pâle et des cernes. On peut pas juste se balader dans la rue sans avoir peur de se faire insulter ou suivre. Non, mais les mœurs évoluent pas assez vite et ça s'améliorera pas parce que depuis toujours, pendant l'adolescence, au collège, au lycée, on nous apprend à pas porter de t-shirt trop court, à pas mettre de pantalon trop moulant, à cacher nos formes pour pas déconcentrer les garçons. Alors que c'est justement pendant l'adolescence qu'on se cherche, qu'on se trouve, qu'on s'affirme, qu'on expérimente de nouveaux styles. Et parfois c'est bien, et parfois on ressemble à rien, mais c'est pas grave, on s'en fout. L'important c'est de se sentir bien avec soi-même. Mais même ça c'est pas possible en fait. Enfin, comment voulez-vous que les mœurs évoluent si, même pendant notre éducation, on est contraint à respecter un certain code vestimentaire pour pas déconcentrer les garçons? Les hommes ne sont pas des prédateurs et nous ne sommes pas des proies. Je vois pas pourquoi il faudrait différencier notre éducation selon notre sexe. Je me demande juste combien de temps il va falloir encore pour qu'on comprenne que ce n'est pas aux femmes de changer leur tenue, mais aux gens de changer leur mentalité. Et si on essayait de changer les choses? Si on arrêtait les inégalités salariales? Si on arrêtait de sexualiser certains métiers? Si on arrêtait d'éduquer les gens différemment? Si on arrêtait de juger les femmes par leur nombre de conquêtes? Si on arrêtait de sortir dans la rue avec une boule au ventre? Si on arrêtait avec les si? Faisons-le!